avec la cicatrice sur le crâne. Bien, quelle heure il est? 9h moins 5. Essayez de se rafraîchir un peu. Bon, a priori, elle s'en fout. Non. J'ai vu un truc. Voilà. Ouais, on t'a ouvert le crâne. Essayons de sortir. Ouais, c'est elle. Commotion et fracture du crâne. Elle est dans le coma depuis plusieurs mois. On peut la voir? On est de la CIA. Cette fille est recherchée pour trahison. Donc, on a un mandat d'arrêt, si c'est ce que vous voulez. Ok. Vous pouvez la voir. T'es bon à qu'elle ait arrêté, il faut que ce soit à la seconde où j'essaie de me tirer que... Mais enfin bon, admettons. Fausse photo de famille. À moins que ce soit Tuesday avec son bébé. Faut que je me cache, d'une façon ou d'une autre. Dans les chiottes peut-être. C'est bizarre, c'est sa chambre, elle devrait être ici. Merde. Elle est sortie par la fenêtre. Non, c'est impossible, on est au cinquième, elle a pas pu sauter par la fenêtre. Donnez l'alerte, cette fille ne doit pas s'échapper. Pour des agents du FBI, ils fouillent pas trop la pièce, je trouve. Ah, c'est là que le shérif me trouve. Madame, est-ce que ça va? Madame? Carrément, je flipperais ma race à sa place. T'arrives au beau milieu d'une forêt avec une nana, elle est livide, elle dit pas un mot, elle te regarde d'un air de tueuse. Bref. Voilà donc la fin du chapitre qui était plutôt long, et je pense que je l'aurai coupé en deux d'ici là. Je vous dis à bientôt, salut! Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Beyond Two Souls, où cette fois on va vivre le chapitre qui s'appelle Première Nuit, a priori on revient à l'enfance. Le chapitre d'avant était celui où elle était sans abri, et elle a appris à aimer des gens honnêtes et à vivre avec eux. Malheureusement, elle a dû s'en séparer parce qu'elle était poursuivie par le FBI et qu'ils l'ont retrouvée. Juste le temps qu'ils comprennent ce qui se passe. Maman, me laisse pas ici. C'est l'histoire de quelque chose. Tu verras, ça passera très vite. Suzanne, allons-y. Pas la peine de faire traîner les choses. Sois courageuse. Tu es forte. Je sais que tu es forte. Comment tu peux abandonner ton enfant? Le daron qu'on n'a rien à cirer, quoi. Il s'en débarrasse comme de sa première chaussette. Je sais que c'est difficile pour toi de quitter ta maison et ta famille. Mais ici, on a de meilleures chances de comprendre enfin ce qui t'arrive. On trouvera un moyen de te protéger.
Non, personne ne peut me protéger. Toutes tes affaires sont dans ce sac juste là. Cole et moi, on est juste à côté. Si tu as besoin de quoi que ce soit, ou si ça ne va pas, appelle-nous et on arrivera tout de suite. D'accord ? Bonne nuit, Jody. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Faut que je trouve un endroit pour me charger. Là-dedans, peut-être. J'espère qu'ils n'ont pas mis de caméra ici aussi. Allez, on va le chercher ton lapin. Elle est pas mal faite, la petite, mine de rien. Je trouve qu'ils l'ont bien modélisée. Ça ressemble vraiment à un enfant. Et dans les jeux vidéo, les enfants, normalement, ça ressemble à rien. Et c'est supposé faire flipper plus souvent. Bien! Maintenant qu'on a Monsieur Lapinou et de la lumière, ça a l'air d'aller se coucher. C'est l'heure d'aller se coucher, Jody. Il vient de le dire. Il ressemble plus à Madame Lapinou qu'à Monsieur Lapinou quand même. N'aie pas peur, Aiden. On va dormir tranquillement et il ne nous arrivera rien de mal. C'est moi où il l'abordait. J'arrive pas à dormir, Aiden. Je crois que j'ai besoin d'une histoire. Faisons un peu d'ombre pour les faire une histoire. Toujours quelqu'un sur qui compter. Ah, des effets secondaires. Il y a quoi sur l'écran? NBA, ok. Ah ouais, ça fait pas semblant quand j'agis. Et de l'autre côté du mur. Tiens donc. Heureusement tu dors aussi.
essayer de voir un peu de l'autre côté ce qu'il y a. Je peux pas. Si Aiden, ce serait pas son père en fait, qui décide de protéger, de veiller sur elle et de la protéger en toutes circonstances. Ah, c'est le bordel là, c'est l'exorciste. Oh non, Jody! Appelle un médecin, vite! C'est bon, tout va s'arranger. Aiden n'a plus peur des monstres maintenant. Et on passe donc au prochain chapitre, intitulé « Une fille comme les autres ». Tiens, un petit trophée d'argent, ça fait toujours plaisir. Ça montre à mes stats. Les trophées, ça sert pas à grand chose, mais moi j'aime bien. C'est mon petit côté gamer qui ressort. Le besoin de score. Et le seul truc que je trouve dommage pour l'instant, c'est les temps de chargement qui sont bien longs. Je t'en prie, Nathan, juste ce soir. Il y a toutes les autres filles de ma classe qui vont y aller et je reviendrai pas tard, c'est promis, d'accord? Tu ne me feras pas changer d'avis, Judy. C'est vraiment pas juste! Comment ça se fait que je dois rester ici alors que tout le monde y va? C'est vrai quoi! Enfin, la semaine, je fais tout ce que vous me demandez! Et en récompense, j'ai jamais le droit de m'amuser! Bon, la centième fois, tu sais que tu n'es pas comme tout le monde, Jody. Il y a des règles! Ouais, bah j'ai pas demandé à être différente! J'ai juste envie de sortir et d'avoir des amis et d'être comme toutes les autres filles de mon âge! Tu ne pourras jamais être comme elle. Il faut que tu te fasses à cette idée. Bonne nuit. Allez, il a fait le mauvais flic. C'est à toi d'être le bon flic maintenant. Je suis juste à côté. Appelle-moi si tu veux quelque chose. Ils ont peut-être poussé un peu loin le concept de la l'ado rebelle avec les fringues hardcore à gothique, etc. Bon, j'imagine qu'elle a arrêté de faire des dessins maintenant. On va se coucher direct. Maintenant qu'elle est passée ado, elle a un lit deux fois plus petit. D'accord, c'était juste pour passer tes nerfs. Rien à faire ici. Toujours espié par la caméra. Ici, Eden file un coup de main.
Arrête un peu, Jody. Tu sais très bien que ça ne sert à rien. Je ne peux pas sortir. Point final. Tu as fini ? T'es fier de ce que non. Tu fais ? J'espère bien, parce que tu vas devoir ranger tout sur toi. Oh, mais tu cherches un peu trop la merde, toi. Téléphone. Oui. Ah, c'est lui. Oui, elle s'est calmée. Elle a d'abord ravagé l'appartement, mais elle s'est calmée. Ok. D'accord. On se voit demain. Non, j'ai pas envie de te contrôler pour. Un délire d'adolescente, ça mérite pas. Allez, calme-toi, petite. C'est mort, c'est mort. Bon, on peut pas regarder la télé. On peut pas cuisiner non plus. Visiblement, il y a un truc à faire avec Aiden. Bon, bah, vu que j'ai épuisé toutes les options, j'imagine que j'ai pas le choix. Aide-moi, Aiden. Vois si tu trouves un truc. Vraiment désolée, Cole. Je m'en veux vraiment de te faire ça, mais... Tu me comprends, pas vrai? Je dois sortir ce soir. Sale gosse. Si j'avais eu le choix, je t'aurais pas laissé sortir. Bien, un aigle, donc c'est l'Amérique. Une pyramide. Fermée. Évidemment. Département d'activité paranormale. Bon, on est chez Mulder en fait. Elle utilise la carte. Rien de planqué, de toute façon il y a des caméras partout, donc ce que tu fais, tu vas te faire griller demain, hey, de toute façon. Jody. Il est pas un peu tard pour se promener? Ouais, c'est juste que je me sens... J'ai un peu la nausée. Je suis pas bien, alors on s'est dit qu'on pourrait aller dehors pour prendre un peu l'air. Ça va aller? Tu veux que j'appelle l'infirmière? Non, c'est vraiment rien du tout, et puis... Cole va s'occuper de moi, alors... Hein, Cole? Voilà. Alors... Quoi de neuf, Cole? T'as perdu ta langue? Mmh.
Il a plus de voix. Il a attrapé un virus, je crois bien. Alors, le pauvre, j'ai pas réussi à lui faire dire quoi que ce soit depuis des heures. Alors... J'espère que c'est pas contagieux au moins. Tu devrais aller te coucher si tu veux, mon avis. C'est plus prudent pour nous. Bon, très bien. Allez-y. Tu travailles dans le département du paranormal et tu trouves rien de louche là-dedans. Bon, au moins on n'a pas à chercher la voiture de Cole. Il y a des caméras partout. Je ferais bien de ne pas trop m'éterniser dans le coin. Il a forcément les clés sur lui. Monte dans la voiture et ensuite démarre. C'est pas cool pour Cole quand même. Le mec a essayé de l'aider, il essaie d'être gentil. Mais elle le manipule. C'est sûr, c'est pas une évasion très classe, mais on s'en fout. Allez, on y va, Aiden. Voilà, sortir de là. Tu me pardonneras. J'en ai pas pour longtemps. Ça va aller, tout ira bien. Moi, tu me ferais ça, je te pardonnerai pas. Aiden, emmène-le dans la forêt et veille bien sur lui. Je croyais qu'il y avait un lien entre elle et, et Aiden qui faisait qu'elle pouvait pas être loin de lui. On est arrivé. Les filles sont sûrement déjà à l'intérieur. Alors, happy hour, du lundi au vendredi, de 5h à 8h, cocktail à 2$. Eh ben Elvis était pas mort finalement. Elles sont pas arrivées. On va attendre. Bon, je peux pas faire une partie avec eux. Dites, quel âge vous avez? J'ai 21 ans. Eux par contre ils auront aucun scrupule à faire croire que t'as 21 ans.
Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ici? Bière texane. On est dans un jeu vidéo. Logique qu'on aille dans la section jeu. Ah, on peut pas. Alors allons parler. Excusez-moi. Est-ce que vous avez vu des filles de mon âge? Je suis censée retrouver des copines. Non. J'ai vu aucune fille ce soir. Merci. Quelle amabilité! Ils veulent parler? Non, tant mieux. Ben voilà! Voilà ce qu'est le jeu vidéo pour David Cage, un QTE. Belle analogie. De toute façon. Joli coup. Alors, qu'est-ce que t'es venu faire ici toute seule? Rien de spécial. C'est juste un samedi soir parfaitement normal. Avec quelques copines. Essaie de m'en mettre plein la vue. Tu veux que je te dise? Je te trouve un peu jeune pour être ici. Quel âge? J'aurai bientôt 17 ans. Je suis assez vieille. C'est bon, ça t'a refroidi? Waouh! Là, tu m'épates. Tes parents savent que t'es ici? On joue au billard ou c'est un interrogatoire? Allez, ma belle, je suis sûr que t'en meurs d'envie. Carrément. Qui est là? Où est-ce que tu te bloques? Ramène-toi! Chalai! Trouillard! T'as pas encore compris? Eh ben attends. C'est bon, t'en veux encore? Il faut qu'on se tire de là, vieux. J'aime pas ça. C'est pas le moment de se dégonfler, Franck. Ah, je te jure. C'est bon, t'as compris la leçon ou t'en demandes encore? Eh ben, l'appel de la bite est fort chez toi. Puissance max. Allez, rentre chez toi. On dirait un putain d'esprit qui vient nous punir pour nos péchés. T'as tout compris. Putain, Earl, j'ai pas envie de mourir. Personne va mourir. On va foutre notre camp d'ici.
c'est pas vrai. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fous, Sam? Ouvre cette putain de porte! Je peux pas! C'est quoi ça? Vous méritez de flipper un peu plus. Pas laisser le choix, je suis obligé de faire un truc d'enfoiré. Bon, celle-là c'est la moins pire des deux, j'imagine. Ah bah non, j'avais juste à attendre. Oh Jody, je suis... Est-ce que tu vas bien? Bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais juste sortir. Et être comme tout le monde pour une fois. Oh, je sais. Ça va aller. Et ce sera la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. La prochaine sera intitulée Seul. À bientôt.